Hey, salut les potes, c'est Dice, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Dofus pour une astuce Kama. Allez, à tout de suite les potes. Donc on va commencer cette astuce Kama, donc ça va être dans la zone de Land de Sidimoth. Il faudra farm ces mobs, c'est juste en haut de Brakmar comme vous pouvez le voir ici, c'est toute cette zone ici. Quelles sont les ressources que vous allez devoir drop? Alors c'est simple, vous avez le Scorbut, vous avez les carapaces de Scorbut, vous avez les tonneaux de sang de Scorbut, vous avez la queue aussi qui est 600k l'unité, donc la carapace 3200 et le tonneau 2400 l'unité. Et vous avez aussi les autres mobs, par exemple le choléra, vous avez ça, le choléra mort qui vaut 1800k l'unité et toujours le tonneau. Nous avons le croneil, donc le croneil comme vous voulez. Vous avez l'œil et vous avez encore le tonneau. Et vous avez aussi les variants avariés. Donc pour faire cette astuce Kama, je vous conseille d'avoir votre chasseur niveau 70, donc votre métier niveau 70. Et nous avons aussi bien sûr le croc gland, nous avons les papates de croc gland, nous avons encore les viandes avariées et nous avons toujours le tonneau. Vous avez aussi les croquettes si vous avez un peu de chance et aussi l'étoffe. Donc voilà, pourquoi je vous propose cette zone, c'est assez simple parce que comme vous pouvez le voir ici par exemple, regardez ce groupe là, il a carrément 7 étoiles et celui là il en a 7 aussi. Comme idole, si vous êtes solo, je vous conseille ces idoles là. Si vous êtes un crabe bien sûr, si vous n'êtes pas un crabe, logiquement vous devrez jouer avec d'autres idoles. Donc pour moi, comme je suis un crabe, j'ai pris Butor Magistral, Butor, Ouga, Muta, Proxima et Arumb. Donc nous allons faire un combat et vous allez voir que le drop est juste magnifique quoi. Donc voilà les potes, le combat a duré 1 minute et encore j'ai dû faire 3 tours, normalement ça dure 2, 1 tour limite. Donc là vous avez vu que juste avec les viandes je me suis fait 20 000 Kama, plus les carapaces 6500, plus 1100, 1000. Et bon après il y a des petits Kama là qui traînent comme ça là, mais vous pouvez toujours les revendre. Donc là en un combat nous avons déjà pratiquement 30 000 Kama en 1 minute. 30 000 Kama en 1 minute, je vous dis les potes, c'est énorme. Donc là, on va enchaîner sur le groupe de niveau 264. Donc voilà, là, on a réussi le tchal. Donc c'était un petit groupe de 4. Le combat a duré encore 1 minute. Vous avez 4 viandes avariées, 2 carapaces. Donc là, on s'est déjà fait 20 000 Kama, plus l'œil. L'œil, ça se revend assez bien parce que c'est pour le métier tailleur. Donc là on va enchaîner d'autres petits groupes et je vais vous montrer à fur et à mesure les drops que j'ai eu. Et vous allez voir que c'est assez énorme. Donc là regardez, 10 étoiles dans ce groupe là, c'est juste énorme. Par contre avec ces idoles là, il faudra faire extrêmement attention que les ennemis ne vous approchent pas au corps à corps. Parce que sinon vous allez vous prendre très très cher avec les butors magistrales et les butors. Donc 500 dommages des adversaires, donc c'est assez énorme. Donc là vous allez voir, il m'a mis 800 dans la gueule, donc ça fait très mal hein. Donc faut faire attention les potes. Là on a eu la preuve en direct. Donc le combat a duré 1 minute 26, 7 viandes encore, donc 20 000 Kama, 2 carapaces, donc voilà, ça fait déjà 30 000 Kama en 1 minute. Donc là les potes, je vais vous montrer un petit combat sans étoiles pour voir, pour vous montrer que ça marche aussi bien avec ou sans étoiles. Donc on va s'occuper des mecs en bas plutôt, parce que sinon on va prendre très 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 cher. Tac, on va essayer de le faire assez vite ce combat quand même. Voilà, donc les mecs en bas ils sont tués, il manque plus que ceux d'en haut et vous allez voir que le combat est très 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 rapide. Donc voilà les potes, donc ça c'est un groupe sans étoiles, 1 minute encore avec le tchal bien sûr. Bon le tchal c'est, vous le faites ou vous le faites pas. Donc 3 carapaces, donc déjà 10 000 Kama, plus les viandes 10 000 Kama, donc là en 1 minute 20 000 Kama, plus les petites ressources à côté que vous pouvez revendre ou alors vous en servir pour faire votre métier de tailleur plus tard vers les niveaux 70 je crois, pour faire la cape de Scorbut. Donc là les potes, je vais vous montrer si vous êtes en multi-compte le drop que vous pouvez vous faire, mais par contre je mets en idole 508 comme nous sommes 4. Donc là pour les idoles 508, donc logiquement vous connaissez hein, c'est assez simple. Donc en groupe, donc c'est Muta, Oscar, Ouga, Ultram, Proxima et Arum. Donc ça c'est les idoles 508 avec un butin de 301. Donc là on va faire le groupe de 400.
Donc là, regardez le drop que vous pouvez vous faire en multi-compte, les potes, alors que le combat a duré 32 secondes. Regardez le drop que vous pouvez vraiment vous faire, quoi. Donc là, nous avons 6 vies en avariées. Donc là, vous avez déjà 30 000 kamas. Donc 30 000 kamas juste avec les viandes. Nous avons la carapace, les croquettes, le tonneau, les papates encore, la croquette. Et là, bah, sur les autres comptes, vous avez par exemple encore d'autres trucs. Donc là, je vais faire des petits combats et je vais vous mettre juste les fins des combats et vous allez voir que vous faites vraiment énormément de kamas en espace de 1 heure, quoi. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir, surtout si vous êtes multi-compte, hein. Donc voilà les potes, 1 minute, 4 étoiles. Alors voilà, encore des viandes, encore des pâtes, encore des carapaces, encore des tonneaux. Donc voilà les potes, c'était cette petite astuce Kama Farm à l'aide de CD Mod. Donc comme vous avez pu voir, pendant tous mes combats, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Donc en moyenne de 1 minute, 2 minutes, vous faites 30 000 Kama en monocompte. Donc en 10 minutes, vous faites 300 000 Kama et 1 heure, 1 800 000. Et si vous êtes par exemple en double compte, bah, vous faites 1 800 000 x 2. Et si vous êtes en quadruple compte, vous faites 1 million x 4. Donc vous pouvez voir que vous pouvez vraiment vous faire beaucoup de Kama. Donc j'espère que cette astuce vous a plu. Donc c'est une nouvelle série que je vais créer sur Dofus. Donc ça va être des astuces Kama, des zones où vous pourrez farm ou alors vraiment d'autres astuces que farm, hein, que je vais présenter. Donc voilà les potes, si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions ou autres, bah, vous lâchez un petit commentaire, je vous répondrai tout de suite. Donc voilà les potes, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé, c'était Dice. Allez, peace les potes. Tu. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette musique, mais on s'en bat les couilles. Allez, ciao.